अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, arrête de me chercher, ou tu vas le regretter. Je veux m'immiscer dans ta vie. Et bien ce, à n'importe quel moment, d'accord? Je viens de t'arracher ta bien-aimée. Tu verras, bientôt je te ferai abandonner tes études. Je n'ai besoin que d'une heure, Ranvir. Et je te promets que je vais te faire expulser de cette université. Enfin, ce fourbat eut ce qu'il méritait. Ichou, tiens, prends ceci. Merci. Et le bandage. Après la glace, je vais mettre un pansement, d'accord? Ça ira mieux maintenant. Vas-y doucement. वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था Désolé. C'est la fête. Tu pars déjà alors que tu nous as promis tant de choses. Allez, tu dois tenir ta parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Oh, as-tu oublié ce que tu as promis de faire? Écoutez les gars, et comprenez-moi bien. Je l'ai déjà gagné. Le pari qu'on a fait. Ah bon? Le pari était... Kishika soit emmené dans sa chambre. C'est ce que j'ai fait, non? C'est tout. D'accord? Mais c'est vraiment incroyable! Hé, hey, attends! Où est-ce que tu vas? Allez-y, je reviens tout de suite. Allez, ça peut être déplacé. Mais Roop, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Roop, c'était l'occasion rêvée pour sauver Ichika des griffes de Ranvir. Pourtant, tu ne l'as pas saisie. Et tu n'as eu que 5 petites minutes pour prendre soin d'elle et c'est tout, Roop, quand même! Palak, Ichika n'est pas un loup. Même si Ranvir a gagné, je suis sûr qu'il ne pourra pas s'emparer de son amour. Et j'ai promis à maman que j'allais révéler le vrai visage de Ranvir aux yeux d'Ichika. Et cette décision reviendra à Ichika. Ce sera à elle de décider. Heureusement que Rupendra était là pour te sauver, ma fille. Il a eu un très bon réflexe, n'est-ce pas? Il t'a aussi soigné. Ichika? Non, 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 restez assis. Tu vas bien? Rupendra est un vrai yo. Tu t'es blessé à cause de lui. Il t'a fait tomber. Je le réprimanderai.
Crois-moi, il le paiera. Je ne suis pas tombée à cause de lui. Quoi ? En fait, il a pris soin de moi. Alors que c'était à toi de le faire, Anvir. Mais parfois, je sens que je ne suis pas si importante pour toi. Je t'assure que ce n'est pas vrai. Je t'assure que ce n'est pas vrai, Ishika. Je me suis absenté un moment pour aller prendre de l'air sur la terrasse. Mais quand je suis revenu, j'ai appris que tu t'es blessé. J'ai couru jusqu'ici, tu vois. Pour m'assurer que tu vas bien. C'est la vérité. J'étais si inquiet pour toi. On t'a appelé plusieurs fois, Ranvir. Mais tu n'étais nulle part. Vraiment ? Heureusement que Rupendra était là pour la sauver. Non seulement il l'a emmené ici, mais il l'a également aidé à apaiser sa douleur et a même appliqué un pansement là-dessus. Et voilà qu'il joue aussi au médecin, ce Rupendra. Et il ose en plus toucher ma future épouse sans mon accord. Tu vas voir, Rupendra. Tu vas me le payer très cher. Je te donnerai la leçon de ta vie demain matin. J'espère vraiment qu'ils vont reporter notre examen, car je n'ai pas révisé. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à réviser. Je compte sur toi. Non. Mais regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Allez, Sandy, prends ça. C'est pour mon mariage. Bravo. Merci. Tenez. Non, mais regardez ce qu'il fait. C'est trop, non? Ranvier est comme ça. D'accord, je vais vous dire. Franchement, il se prend pour qui? Peut-être qu'il veut être le gardien de l'école ou quoi? Hé, hey, Rupendra! On dit que le bonheur se partage entre amis. Alors, prenez quelques bonbons aussi, c'est un cadeau. Je vous l'offre. Ça ira, mais je vais m'amuser à ton mariage. Et je te souhaite le meilleur. Merci pour ça. Mais je ne suis pas d'humeur à manger des gâteaux aujourd'hui. Hé, hey, les gars, venez! Venez et approchez-vous. Écoutez, venez. Vous connaissez tous une certaine Ishika. Ishika Rupesh Patel. Eh bien, devinez, je vais bientôt l'épouser. Et je vais également vous annoncer que Rupendra Singh Vaghela est mon petit frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire de ta journée? N'y a-t-il plus de crimes à résoudre? Et tu sais quoi? Tu ne mérites même pas d'être policier. Une carrière d'acteur te conviendra mieux. Hé, hey, toi, attends un peu. Même si tu ne veux pas partager mon bonheur, laisse-moi te dire une chose. Maintenant, tu dois nous raconter comment s'est passée la visite chez ta belle-mère. Dis-moi, comment sont tes beaux-parents et ton mari? Ils sont comme toutes les belles familles. Mais non! Tu dois donner plus de détails. As-tu eu des cadeaux? Il t'a tenu la main? Arrêtez, les filles. Maintenant, concentrons-nous plutôt sur nos études. Non, ma chère Ishika, pourquoi tu n'es pas un peu plus romantique? J'espère que Ranvir le saura plus que toi. Qui de vous est Ishika? Tu cherches Ishika? C'est bien elle. Mais, attends! Du chocolat? Merci, mais attends! Attends, écoute-moi un peu! Mais c'est quoi tout ça? Attends! Attends, reste ici! Mais... ça vient de qui, tout ça? C'est de Ranvir. Eh bien, c'est bien Ranvir. Pour la dernière fois, reste en dehors de ma vie, s'il te plaît. Et concentre-toi sur la tienne. Tu devrais me laisser tranquille. Sinon, tu vas finir par le regretter. Tu sais quoi? Tu me connais bien. Je suis inspecteur de police. Moi aussi. Ton frère aîné, après tout. Je peux donc m'immiscer dans ta vie quand je veux. De toute façon. Tu viens de perdre l'amour de ta vie, non? Ensuite, tu finiras par laisser tes études.
C'est normal. Parce que tu vas perdre goût à la vie. Va ! Laisse-moi te dire une chose. Tu devrais partir de la maison, comme tu l'as fait avant. C'est pour le bien de tous. Bon, premièrement, ne te permets plus jamais, alors là, plus jamais de te mettre entre mon père et moi. Tu ne fais qu'utiliser son nom et tout ça juste pour frimer. En revanche, son sang à lui coule dans mes veines. Et oui, autre chose, dans à peu près une heure exactement. Je te promets que je vais te faire expulser de cette université. Arrête-moi si tu peux. Vraiment? Oui, tu peux me croire. Je n'ai pas peur de toi. De plus, pour les 9 prochains jours, nous allons célébrer le festival de la déesse. Toutes tes ruses seront vouées à l'échec. Et tu verras, le bien finira par triompher. Ça a déjà commencé, c'est bien ça? Oui. Ouais, c'est ça, on y va? Tu oses rire? Tu devrais plutôt aller à l'hôpital pour soigner ta blessure d'hier. Tu veux des bonbons? Oh non, merci. Je voulais juste les partager, c'est vrai. Où voulais-tu en venir par ce défi, Hiro? Eh ben, l'idée est toute simple, Ardic. Il fallait que je le remette à sa place, qu'importe le nombre de défis. Mais combien de défis vas-tu relever? Autant de fois que possible. Ranvir, pourquoi tu t'es embrouillé avec Rupendra? C'est inutile, car c'est juste un imbécile. Écoute, Ishika, je suis inspecteur de police. Il ne le supporte pas. On est comme ça depuis l'enfance. Laisse tomber. Dis-moi, as-tu aimé ma surprise? C'était bien, mais... Mais tu es inquiète. Ne t'en fais pas pour moi, Ishika. Tout ira bien. Tu sais qu'il ne peut rien me faire. Je suis un policier. Donc ne t'en fais pas, je suis content d'être venu ici. Ça me rappelle bien comment nous nous sommes rencontrés ici même. En fait, je suis... C'est ce policier de l'université! Allez-vous-en! Allez-vous-en! La police n'a rien à faire dans cette université! Allez-vous-en! Allez-vous-en! C'est ce policier de l'université! Allez-vous-en! Allez-vous-en! La police n'a rien à faire dans cette université! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oui, c'est lui. C'est lui, l'inspecteur Ranvir Singh Vaghela. Il vient ici me harceler tous les jours. Mais à chaque fois qu'on lui dit de partir, il dit qu'il est policier et il peut faire ce qu'il veut. Mais il se prend pour qui? La police n'a aucune raison d'être ici. Elle doit protéger le peuple et non le contraire. C'est ça l'exemple qu'il va donner? Vous le voyez vous-même. Il utilise son statut de policier pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, la police s'incruste dans cette école. Alors qu'il n'a aucune autorité ici, il refuse de partir. Ne savez-vous pas qui je suis? Éteins cette caméra! Éteins-moi cette caméra! Vous n'avez aucune autorité sur nous, monsieur! Je vais vous montrer mon autorité en détruisant cette caméra! Arrête ça, ne touche pas à la caméra! Pour qui tu te prends, toi? Vous voyez? Je suis menacé par un officier en service. Vous voyez comment il se comporte alors que je suis un étudiant? Mais regardez! Regardez ce que je subis tout le temps! Tu vas le regretter, imbécile! Recule! Regarde tout ce qu'il va faire! Arrête! Tu peux frapper si tu veux, mais ne la touche pas! Ne lui adresse plus la parole! Vas-y, vas-y, frappe-moi! Même si tu vas me frapper, tout est enregistré maintenant. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Regardez tout ce qu'il va faire! Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne tolérerai pas ça ici. Monsieur Hill. Le commissaire. Oui, chef, je vous écoute. Que fais-tu à la télé, Ranvir? Viens au bureau tout de suite. Éteins cette caméra! Fais-le! Oui, j'arrive tout de suite, j'arrive. C'est ça le pouvoir de la masse populaire. Nous avons aussi de l'autorité, même sans uniforme, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Où est-ce que tu vas? Allez, viens. Mon cher inspecteur, où vas-tu? Durant ce festival, notre déesse nous protège des ondes négatives. Le bien triomphera. Enfin, ce fourbat eut ce qu'il méritait. Si tu n'es pas mienne, alors tu ne seras personne d'autre, n'est-ce pas?
Dis-moi, c'est ce que tu m'as écrit dans ces dessins. Tu te trompes parce que j'essaie de t'empêcher de faire une erreur. Tu ne vois pas qu'il n'est pas fait pour toi? Il n'est pas digne d'être ton mari. N'épouse pas quelqu'un de si mauvais. Monsieur, en fait... ce garçon est mon frère. C'est le fils de mon oncle Shamsher Singh Vaghela, et donc je... Ranveer, je ne suis pas ici pour résoudre vos conflits familiaux. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais... Tout le monde a vu vos actions dans cette université. Votre effronterie nous a humiliés. Aussi, je prends la décision de vous suspendre. Chef, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Ranveer, vous ne ferez que perdre votre temps. L'ordre de suspension vous sera envoyé. Compris ? Aujourd'hui, j'ai enfin battu Ranveer. C'est ma toute première victoire. Je continuerai à me battre pour que le bien triomphe. Et surtout pour Ishika. Je veux lui prouver mon innocence. Rupendra Singh Vaghela ! Qui a-t-il ? J'ai été suspendu à cause de toi. Mais non, ce n'est pas à cause de moi que t'es suspendu. Si t'as été suspendu, c'est à cause de ton ego. Et parce que t'as trop confiance en toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu as dit ? Heureusement qu'il y a du monde. Sinon, je t'aurais tabassé. Tu le sais, ça ? Vas-y ! Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Écoute, papa. Je suis navré pour ce qui s'est passé. Mais Ranveer, il voulait me provoquer. Et il a abusé de son autorité. C'est vrai, non ? Maintenant, je comprends tout. Maintenant, je comprends tout. Tu refuses d'accepter qu'Ishika se marie avec moi. C'est pour ça que... Assez ! Je ne veux plus vous voir vous bagarrer. Arrêtez d'être si hostile. Nous sommes une famille. Rupendra, rédige des excuses pour ton frère. Et finissons-en une bonne fois pour toutes. Oui, c'est ce qu'il faudra faire. Tu l'as cherché, tu vois ? Mais je n'ai manifesté aucune hostilité envers toi. Ah oui ? Puisque je n'ai rien fait de mal, pourquoi est-ce que je serais puni ? Je ne le ferai pas. Vraiment, tu as assez humilié ton frère comme ça. Papa, pourquoi est-ce que tu te ranges toujours de son côté, hein ? Tu ne me crois jamais. Rupendra. Mais où vas-tu, mon fils ? Au garage. Vous avez vu ? Assez. Laisse-le comme ça. Je suis inquiète. Avec tout ce qui se passe, parce que Rupendra sera capable de tout pour empêcher le mariage de Ranveer et Ishika. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout ira bien. C'est vrai, il ne faut pas s'inquiéter. Le mariage aura lieu. Et je m'occuperai de Rupendra. Madame, regardez-moi cette magnifique parure. Donne-moi. Cette parure t'ira à merveille, Ishika. Magnifique. Cette parure est vraiment jolie. Ishu, regarde ma chérie. Waouh. Il te va à ravir. C'est très joli, n'est-ce pas ? Maman ? Hmm ? Écoute, j'ai encore des devoirs à finir. Je vais y aller. Mm. Mm.
photos sont... Je les ai reçues de Rupendra lui-même. Écoute, ma fille. Je connais beaucoup de choses sur la vie, ma fille. J'ai aussi tant vécu. Alors laisse-moi te dire que tu te trompes peut-être sur Rupendra. S'il est capable de garder précieusement des photos de toi, c'est peut-être qu'au fond, il tient beaucoup à toi. Alors, je ne pense pas qu'il soit une mauvaise personne. Il a plutôt l'air d'être honnête. C'est vrai. Je lui ai interdit de garder ses photos. C'est pour ça qu'il les a rendues. Peu importe la raison, ma fille. Il te les a rendues. Écoute-moi. Lorsque je lui ai parlé, ma fille, Rupendra était très poli. Il a parlé avec beaucoup d'émotion, crois-moi. Je voyais qu'il ne mentait pas. Il a dit qu'il les garderait en mémoire. Parce que ils sont ses meilleurs souvenirs de toi. Tu le sais, ça, ma fille. Je ne dis rien de mal de Ranveer, mais nous avons jugé Rupendra à tort. Ça sonne. Ranveer m'appelle. Alors d'accord, je vais attendre dehors. Allô ? Oui, Ranveer. Oui, d'accord. Je serai là. Roop ? Roop ! Tu viens danser avec nous ? C'est le deuxième jour, viens ! Non, je ne veux pas. Allez, viens avec nous. Ça pourrait te changer un peu les idées. En plus, tu vas bien t'amuser, n'est-ce pas, Hardik? Bien sûr. Bon, Roop, Ranveer s'est fait suspendre aujourd'hui. Il s'est aussi fait expulser. Et il ne pourra plus te harceler maintenant. Alors pourquoi tu fais cette tête, dis-moi? Je sais. C'est la cérémonie du aîné demain, c'est ça? C'est pourquoi il est si triste, n'est-ce pas, Rupendra? Oui, Ashmuk. Ishika va appliquer du henné sur ses mains, alors que Ranveer n'est pas fait pour elle. C'est pourquoi je suis triste. Ranveer... Ranveer, écoute, ne sois pas en colère. Ce n'est pas de ta faute. Et sache que je te fais... confiance. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un simple malentendu. Nous allons résoudre ces problèmes ensemble pour que tu puisses retourner au travail. Et quant à Rupendra, je lui en veux encore. C'est un idiot. Ishika, je te remercie pour ton soutien. Je ne suis plus inquiet maintenant. Demain, tu auras le aîné. Ensuite, nos fiançailles. Désolée, mais... je ne suis pas à l'aise, à cause du stress. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne. D'accord? Ce n'est rien, tu veux bien me ramener maintenant? J'ai tant d'affaires pour demain. Oui, c'est un grand jour demain, bien sûr. Viens. Oui. Comme elle est gentille. C'est comme à la toute première fois. Si elle savait tout ce que j'ai dû faire pour essayer de l'avoir pour moi,
Et mes efforts ont porté leurs fruits. Elle sera bientôt ma femme. Mais ce ne sera plus qu'une question de temps. Avant qu'elle devienne enfin mienne pour toujours. Roux, mais tu... Ishika ne devrait pas épouser Ranvir. Il n'est pas fait pour elle. Nous devons lui prouver que Ranvir est un fourbe. Et l'empêcher de se mettre du aîné. Avant qu'il ne soit trop tard. On doit tout faire pour empêcher ce mariage. Tu as tout à fait raison. Mais tu sais très bien que c'est impossible, Roop. Comment comptes-tu convaincre Ishika alors? C'est simple. Dès demain, je lui dirai toute la vérité sur Ranvir et ses mauvaises intentions. Avec un peu de chance, elle me croira. J'espère juste y arriver.